La chaîne de magasins Big Bazar, présente aux Pays-Bas et en Belgique, ferme 20 magasins déficitaires et espère payer moins de loyers pour 20 autres. C'est ce qu'a annoncé lundi le directeur général Erk Coastra. Big Bazar a annoncé mardi qu'elle n'avait aucune intention de fermer des magasins. Ces mesures sont nécessaires pour maintenir en bonne santé la chaîne qui compte au total 120 magasins et 1400 employés. A expliqué Erk Coastra à l'agence de presse néerlandaise ANP. Selon lui, si les propriétaires des magasins refusent de discuter de l'ouverture du bail, il ne reste plus à Big Bazar qu'à cesser de transférer le loyer pour entamer des pourparlers. Il n'a pas encore pu préciser quel magasin allait fermer. Big Bazar possède 11 magasins en Belgique, selon les informations figurant sur son site web. Il n'y aura pas de licenciement forcé, assure le directeur. Les employés d'un Big Bazar qui ferme peuvent travailler dans une autre succursale s'ils le souhaitent. Plusieurs propriétaires de magasins ont déjà saisi la justice pour des arriérés de loyers que la chaîne a délibérément laissé s'accumuler. Le propriétaire de la succursale Big Bazar de Goos, en Zélande, a même demandé la mise en faillite de la chaîne. Monsieur Coastra estime qu'il s'agit d'un moyen de pression pour le forcer à payer. Il pense lui-même que la demande de mise en faillite n'a aucune chance d'aboutir. Big Bazar est confronté à des défis financiers. Cette situation s'explique en partie par les fortes hausses de prix dans la grande distribution, qui incitent les clients à dépenser moins chez Big Bazar. L'inoccupation a également augmenté dans certaines zones commerciales.